Bonjour, je suis restaurateur, je m'appelle Xavier Lerena, je suis restaurateur des sculptures et on est les responsables de nettoyage et la restauration des sculptures de la cathédrale de Troyes. Nous sommes en train de réaliser des essais de tests de nettoyage pour trouver la meilleure façon de nettoyer la pierre, la couleur noire. La couleur noire, ça veut dire que la pierre est altérée et sale, pour trouver la couleur naturelle de la pierre. Les tests de nettoyage consistent à trouver la meilleure façon de nettoyer sans altérer la surface qu'on appelle l'épiderme de la pierre. Dans ces cas-là, on a fait un test par microabrasion. La microabrasion consiste en la projection d'un abrasif très très fin sur air comprimé et ça nettoie la couche sale de la pierre. Là, nous avons fait des tests de nettoyage avec deux abrasifs différents. Le premier abrasif un peu plus gros, qui s'appelle l'Archifine 8, pour nettoyer la partie la plus épaisse de la salissure. Et on a fait des finitions avec l'oxyde d'alumine, un abrasif très très fin, pour préserver tous les arrêts de la pierre. Alors, nous, chez Châtignoux, on a comme mission pour la cathédrale de Troyes de faire tout ce qui est taille de pierre et maçonnerie. Et dans le processus de taille de pierre, on part de blocs bruts, donc de gros blocs de 8 tonnes qu'on vient découper avec une grosse débiteuse en plus petit, voilà, en fonction des cotes de blocs capables nécessaires à refaire sur site, voilà. Entre-temps, moi, j'ai refait les plans, les gabarits à l'échelle avec les moulures et les cotes précises pour que les tailleurs de pierre viennent bloc par bloc tailler les demandes précises que j'ai écrites sur les gabarits. Moi, je suis recteur de la cathédrale, c'est-à-dire je suis le représentant de l'affectataire et je suis responsable de ce qui se passe à l'intérieur de la cathédrale. Mais la cathédrale étant propriété de l'État, je suis donc en lien permanent avec les responsables de l'État, soit du SDAP local, soit de la DRAC. Et je voudrais en profiter pour dire combien la loi de séparation de l'Église et de l'État est positive et efficace quand on se respecte les uns les autres. Et ça fait 12 ans que je suis recteur de la cathédrale et ça fait 12 ans de
collaboration amicale et efficace avec les responsables de l'État, et je m'en réjouis fortement et je tiens à dire que c'est possible. Alors moi, je suis la maîtresse de la classe. Donc ce projet, en fait, il fait suite à un projet de découverte du patrimoine que nous avions mené l'année dernière. Il a été proposé en début d'année et on a accepté avec la classe de le faire. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait, toute cette pratique en art plastique que nous avons pratiquée, du moins que nous avons fait cette année, ça a surtout permis aux enfants de développer beaucoup de compétences, de prendre confiance en eux et de développer des compétences dans les apprentissages fondamentaux par la confiance qu'ils avaient pris, par la réalisation qu'ils avaient, par les réalisations qu'ils avaient faites. Et je trouve que ça a été très positif. Ils sont aujourd'hui très fiers et c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque à la fin du projet, on leur a demandé et finalement ce projet, ça vous a apporté quoi ? Beaucoup ont répondu, eh bien pour moi aujourd'hui, j'aime l'école. L'école, c'est ma deuxième maison. Je pense qu'à travers ces quelques mots, ils ont exprimé ce que ce projet leur avait apporté.